Bonjour à tous. Alors j'espère que vous allez bien. Alors, je vous propose aujourd'hui de découvrir les activités au potager en avril. Elles sont très nombreuses, entre semis, repiquage, plantation, récolte, les fleurs à prévoir, les travaux d'hiver. J'essaye que la vidéo ne soit pas trop longue et donc je vous montre les gestes essentiels. Maintenant, si vous voulez plus de détails, je vous conseille d'utiliser ma playlist jardinage. Bonne vidéo! Alors, on commence par le semis de concombre que je cultiverai pour la première fois sous serre. Bon, bah, j'ai enfoncé les graines légèrement avec le doigt, hein. Et puis bah, là, maintenant, je vais arroser. Et je vais mettre ça à température ambiante à la maison. Alors aujourd'hui on est le 1er avril. Dehors il fait 4-5 degrés et ici dans la serre il fait quand même 11-12 degrés. Bon là il y a un petit rayon de soleil, hein, c'est pour ça que ça chauffe. Et là en fait je vais enlever les épinards qui sont là. Et puis aussi la bande qui est là de feuilles de chêne et puis les quelques carottes parce que je dois semer des radis Red Meat. Alors pour mes radis Red Meat, bah, j'avais pas préparé de bande de radis. Donc bah, je vais les semer comme ça, hein. Ferme les sillons. Rinçage. Alors aujourd'hui, je vais semer mes melons. Alors en fait je sème toujours deux graines différentes, deux variétés différentes. Et voilà, il va y avoir trois godets comme ça et trois godets comme ça. Bon alors voilà, j'ai semé trois graines par godet parce que sur le sachet ils disent de semer trois graines par godet et de garder le plus beau. Alors, du coup, les melons, ils vont dans ma petite cage à LED où il y a déjà mes concombres et mes basilics qui attendent. J'ai aussi un petit semis de basilic là-bas. Et là, on voit que il fait plus de 20 degrés ici, donc c'est les bonnes conditions pour faire germer les melons. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais semer mes courgettes, alors mes pieds de courgettes. Alors, je vais surtout en fait faire de la reine de Nice. Donc ça, c'est les graines que j'ai récoltées en novembre 2021 sur une très belle courgette qui était restée, qui m'avait échappé d'ailleurs. Donc je l'ai volontairement laissée monter en graines. Alors je trouve que mes graines, elles sont un petit peu plates, hein. Donc je vais essayer de trouver des graines bombées là-dedans. Donc du coup par sécurité, alors je vais faire deux godets avec ça, je vais mettre plusieurs graines. Je vais quand même essayer la courge butternut là, que j'ai jamais fait. Et puis sinon j'ai la courgette verte petit d'Alger. Parce que ça j'ai plus de graines de sachet normal. Et puis ben tant qu'elles n'ont pas germé, on a toujours le doute si ça va marcher ou pas. Bien. Alors en premier on commence par la courgette verte petite d'Alger. Alors, on voit que les graines, elles sont bien bombées hein, quand même. Hein. Donc, pour semer les graines de courgettes, il faut les semer dans le sens la pointe qui descend vers le bas. La partie vraiment pointue. Pas la partie arrondie. Et donc, si vous ne le savez pas, ben, vous les posez comme ça et vous les enfoncez. Mais si vous le savez, ben, vous faites ça.
la pointe vers le bas, hop, j'enfonce. La pointe vers le bas, hop, j'enfonce. Alors, maintenant, la courge butternut noix de beurre. Donc là, pareil, la pointe, une, deux. Bon, alors j'ai fait un tri assez rapide. Et donc là, j'ai quand même trouvé des graines qui sont bombées des deux côtés. Bon, ben voilà, donc je vais semer mes graines qui sont quand même bombées, de mes graines maison. Donc, courgette ronde de Nice. Et ça va aller à température ambiante dans la maison pour la germination. Alors en avril, on peut encore semer les betteraves en pleine terre si la terre est déjà à 15 degrés, mais c'est pas le cas en ce moment. Donc sinon, bah, on les sème en godet. Et la levée a lieu 8 jours plus tard si on les place en serre froide. Bon, alors ce matin, je vais aussi repiquer mes choux raves délicatesse blower. Alors, parce qu'ils commencent à refaire des petites feuilles là, des vraies feuilles. Donc voilà, j'ai rempli mes godets de terreau universel et j'ai préparé mes trous pour recevoir mes alvéoles. Et donc maintenant, bah, on va les arroser à l'eau de pluie, hein, évidemment. Alors aujourd'hui, on est le 25 mars. Et donc, je vais... donc c'est mon semis de hier. Hein. Alors, c'est toujours intéressant de faire deux semis différents parce que on voit vraiment la différence. Alors lui, j'ai de la chance, il y en a un seul qui a levé. Le dépotage de la terrine a été un petit peu chaotique, mais du coup, j'ai pu récupérer et mettre dans les trous plusieurs plants. Et puis bah là, maintenant, on va les arroser. Alors, en essayant de faire que ça s'écroule pas de trop. Hein, parce que... Donc là, je vais les mettre à la cave. Hein. Donc sous l'aide. Bon, là, il fait 19 degrés. Alors en avril, c'est aussi le moment de repiquer en godet le basilic semé au chaud courant mars. Bon alors voilà, donc hop, donc je vais essayer de faire tous ces godets là. Donc on va bien voir. Alors la première chose, bon bah je prends une petite cuillère. Alors celui-là, ce côté-là est facile parce qu'évidemment. Donc en avril, vous pouvez continuer de planter vos laitues. Donc ici, c'est de la rouge grenobloise que j'ai semée mi-février. Alors aujourd'hui, on est le 8 avril. Et ça, ce sont les navets blancs plats que j'ai semés le 27 février. Et on voit leur développement, qu'il est temps que je les plante. Alors cette année, j'ai fait plusieurs sortes de navets et déjà, je vois que le plat hâtif a un feuillage du double des jaunes boules d'or ou des Petrovski. Bon, on verra plus tard, mais il est fort possible que celui-ci arrive à maturité beaucoup plus vite.
Alors, mi-avril et selon la météo, on peut aussi commencer à planter sous serre les tomates que l'on a semées fin février. Si jamais des températures inférieures à 5-6 degrés étaient prévues la nuit, bien sûr, il faudrait les protéger avec un voile d'hivernage ou les mettre sous cloche. Et simultanément, je mets un pied d'œillet d'Inde et un pied de basilic auprès de ma tomate. Alors en avril, je plante aussi les chou-raves que j'ai semés début mars. Alors c'est une culture assez rapide hein, et donc les récoltes sont prévues pour juin. Donc à cette période de plantation, je peux espérer éviter les parasites du chou. Et comme je suis du genre ceinture et bretelles, je plante aussi quelques cosmos qui, en principe, font fuir la pyrite du chou. Alors même si le souci est une plante vivace, j'en ressème quand même en avril parce que c'est une plante très utile au potager. Elle repousse certains nuisibles qui sont dans le sol. Et comme ce sont des graines que j'ai récoltées moi-même, eh bien j'en mets beaucoup par godet pour être sûre que j'ai une bonne levée. Alors là maintenant, donc toujours le 3 avril, eh bien les zinnias Pop Art, rouge et blanc. Donc c'est à semer au chaud. Alors les zinnias Pop Art lève aussi. Donc là, je vais les arroser un peu. Alors, comme j'ai aussi mes graines de zinnia de 2020, je vais en semer ici. Bon, et à côté, je vais semer des graines de lavater. Et donc, mon semis de lavater et de zinnia maison, je le recouvre d'un papier cellophane pour garder l'humidité. Alors, une petite vue au 14 avril. Donc ça, c'est les tournesols. Ça, c'est les lavater. J'ai que deux zinnia maison qu'on levait. Et ça, c'est les zinnia Pop Art. Alors parmi les petits travaux utiles en avril, je commence à faire mes purins d'ortie, bon, à la faveur du désherbage ou lors de cueillettes sur les talus. Donc je mets à peu près 1 kg d'ortie dans 10 litres d'eau. Je remue chaque jour. Quand c'est bien décomposé, en général au bout d'une semaine, eh bien, je filtre et j'arrose régulièrement mes légumes avec du purin d'ortie dilué. Hein. Alors, c'est aussi le moment de rabattre vos chrysanthèmes. Alors, c'est grâce à Agnès de la chaîne YouTube Mandarine au jardin que j'ai appris cette technique. Donc, naturellement, je vous mets le lien de sa vidéo en haut à droite. Et avec les bouts que vous aurez coupés, vous pouvez faire des boutures. Ça marche très bien. Alors, vous pouvez aussi diviser vos pieds d'estragon. Alors, premièrement, pour mieux en profiter, hein, puisque du coup, ça vous fera deux zones de pieds d'estragon, mais aussi pour les contenir, car ils peuvent devenir envahissants. Et si vous avez semé des carottes comme moi, mi-février, et bien sûr qu'elles ont relativement bien levé, eh bien, on peut les éclaircir environ 2 mois plus tard, donc là, mi-avril. Alors en avril, les récoltes sont plus abondantes, donc surtout évidemment sur les salades, hein, les feuilles de chêne, mais aussi les épinards. Et puis le grand plaisir, c'est la récolte des radis qui sont pleins. Hein, à peu près tous les 2-3 jours, on fait une récolte. Et je vous invite vraiment à tester le radis Pernod Clair, car comme vous le voyez, il est quand même plus ventru et il est très bon. Donc je le préfère au radis de 18 jours. Et je commence aussi à récolter la marjolaine, l'origan
Bon, le persil, bien sûr, et l'estragon. Alors, si vous avez envie de repères pour les 15 prochains jours, eh bien, voici mon calendrier de fin avril. Alors, j'ai oublié de mettre le premier semis de haricots verts Montebello que je ferai en godet très certainement. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura apporté quelques informations utiles. Et puis, ben, on termine sur une vie des semis là, au 15 avril en attente. Alors, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt!